Salut à toutes et à tous, c'est les petits et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le mode carrière avec l'Athletic Bilbao. Señor. Voilà, parce qu'on m'a dit de faire. Enfin, je crois que c'est comme ça. Bah bon. C'est pas grave, on me le dira après. Donc aujourd'hui, on se retrouve plus sérieusement pour trois petits matchs comme d'habitude. Alors, en programme du Saragosse. Alors, c'est un match aller puisque je vois que le retour ce sera la prochaine fois. Il y a de l'AS Monaco en Ligue des Champions. La Real Sociedad pour le championnat. Bon. Bah, c'est parti, hein. Allez hop, oh, on perd pas de temps. Toc. Ouais. Alors du coup, bah ouais, hein, puisque c'est match de coupe. Dans quel état est Mounienne? Mounienne est flambant neuf, c'est bon, il peut revenir. Hop. La porte, t'en es où? Te repose encore un petit peu. Ouais. On va te mettre au moins dans les remplaçants. Hein. Après, le petit. Ah, le petit, je sais pas. Le petit, je ne sais pas. Ouais, c'est Barco. Tant pis. Ouais. Et hop. Et bah, c'est parti pour Athletic Bilbao, Real Saragosse. Alors, bah dis donc, première action, il faut qu'on se concentre. Première mi-temps, c'est une vraie purge, impossible de jouer. C'est injouable, ils jouent en défensif, c'est n'importe quoi, les joueurs veulent rien savoir. Alors là, j'arrive à rien faire dans cette première période. Va falloir qu'on se ressaisisse pour la deuxième, hein. Allez. Frappe de Bénat. Raspe la frappe. Allez, mais putain, elle va rentrer cette balle. Sérieux, ça devient saoulant. Ça devient saoulant. Allez, 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 à la tête. Oui, elle est rentrée. Enfin. Eh ben, 69 minutes pour foutre un but à une équipe de D2. Bravo, les gars. Champion. Ça va être quoi la prochaine fois contre le dernier de la D2 espagnole? On va faire quoi? On va mettre 120 minutes pour en mettre un? Faut m'expliquer là. Hein. Ah, bah, et encore, c'est un but sur un corner. Hein. C'est pas le but du siècle. Hein. Avec beaucoup de chance, hein, parce qu'il y avait le gardien dessus qui a pas voulu intervenir et le défenseur qui a essayé d'intervenir, mais trop court. Merci, Zaita. 1-0, mais il faudrait peut-être un peu les exploser, hein, ce qui devrait être un peu logique. Mais bon, ça il va falloir expliquer à mes joueurs, ça, la logique. Allez, t'es parti, Mounienne. Allez, Mounienne. Ah, mais comment? What? Fin de ce match un peu bizarre. Depuis quand Fernand... Attends, faut que j'aille voir sa carte. Son profil, c'est pas possible. Il a rattrapé Mounienne. Depuis quand Fernandez rattrape Mounienne? Faut que j'aille voir ce joueur, hein, parce que c'est pas possible. Pour rattraper Mounienne. 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 D'accord. On est d'accord. Hein. C'est pas... Barco, Viguera. Hein. C'est Mounienne. D'accord? Ok, on est d'accord. Donc voilà, ok. Bon, vous avez compris. Hein, ça m'énerve. Ça a le don de m'agacer. Bon, la fin de mi-temps aussi, elle m'agace parce que c'est n'importe quoi. C'était la panique à bord par une petite équipe. Franchement, ça commence un peu à me tantiner à m'emmerder là. Hein, cette passivité défensive. Ça commence un peu à me gaver. Enfin bon, on a gagné, c'est le principal. Mais bon, il reste encore le match retour, hein, il faut pas l'oublier. Mais bon, d'ici là, on a d'autres trucs à faire. Allez, je reviens à tout de suite. Bien, me revoilà pour la suite. Allez. Voilà. D'accord. On avance. Pom, 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 pom. Alors. Avance un peu le jeu, s'il te plaît.
Ah, qu'est-ce que tu veux? La Bulgarie. Bah tiens, va te faire cuire un œuf, merci. Ah, la conférence de presse. Y a pas les bougés. Oh, attends. Le dernier match. Le dernier match. On va pas le louer, il était naze. Non plus. Motivé. Je sais pas si... Moi, j'ai l'impression que ça sert à rien en fait. Tu le motives, mais derrière, je sais pas en quoi tu les motives. Bien, allez, suite de ce groupe de Ligue des Champions avec l'ultime journée, hein, regardez. L'ultime journée. Et le groupe est serré, hein, il peut tout arriver aujourd'hui. On peut finir premier, deuxième, troisième, même dernier. Parce que 5 et 3, 8. Donc du coup, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc il faut surtout pas perdre. En cas de match nul, ça nous ferait 9 points. Alors, même si le Zénith et les Zigoto derrière y gagnent, ça leur ferait pas le nombre de points qu'il leur faut. Donc faut pas que je perde. C'est tout bête. Allez, on va essayer hein, de jouer contre Monaco. Ah, je dis bien essayer. Parce que vu le dernier match, ça donne pas des signes encourageants. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, la porte est de retour. Voilà. Merci de mettre un vrai défenseur. Mognan. Bah, c'est bon. Tatatin, tout le monde est ok. Ouais, parfait. Tout le monde est en forme. Gomez, il faut que je le mette là. Tout va bien. Morane, il faut le mettre aussi. Bon, bah tout le monde est ok. Allez. En piste, c'est parti pour Athletic Bilbao, Monaco. Il n'irait plus jamais ses premières copines. Hein, faut arrêter l'enculade. C'est Monaco. Allô? Allez. Oh, on peut très bien commencer ce match. Allez, tout raspé. Oui, tout raspé. Bah tiens, dans leur cul, ça leur apprendra. Vengeance pour le match. Allez. Ça, c'est la vengeance du match, du premier match contre eux. Voilà. Chacun son tour, les enfilades. Hein, parce que le bouillon qu'on s'est pris, ça c'est pour le bouillon qu'on s'est pris. Bien joué, Ito Aspect. Quel début de match sur les chapeaux de roue. Bravo, les gars. Bah, vous voyez quand vous voulez jouer au foot. C'est pas plus compliqué que de beurre au cul. Dessus, dessus, dessus. Dessus. Bah, merci. Merci, Adrian. Merci. On peut vraiment souffler. Hein. Franchement, si on transpirait, mais il y aurait 3 litres. 3 litres. Première mi-temps, on a réussi à marquer dès le début, alors c'est un vrai miracle, hein, parce que franchement, derrière, zéro. Hein. Zéro, ça... Aïe, 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 c'est pas d'esprit d'équipe. C'est tout à l'heure, bon, c'est pas hyper intéressant à montrer, mais j'étais tout seul derrière, j'étais pressé par 3 joueurs, personne ne venait. Personne, personne, personne. Il était laissé à l'abandon, tout seul. T'aurais des petites bulles comme dans les bandes dessinées sur les autres joueurs, il serait marqué... Démerde-toi, pauvre con, tu te débrouilles. Ah, laissez-le faire, il se démerde tout seul. Non, les gars, c'est. Oh là là. C'est chaud, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur, hein. Puis Monaco qui joue comme le Barça. Normal. Girard. Toulalan. Radji. Touré. Oui. Oui, c'est Messi, Neymar, oui, non, je savais pas, non, non, je savais pas, je savais pas, encore en vrai, je veux bien, mais là, c'est un jeu, là, t'as des stats, t'as des trucs, normalement, Touré, tout ça, encore Toulalan, à part les passes, ouais, mais il court vite, le mec, j'ai essayé de le rattraper, et c'était impossible, pas bon, c'est pas grave, hein, allez, on va essayer de faire une bonne deuxième mi-temps, et on va essayer de faire le dos rond, hein, parce que... C'est pas simple de jouer. Allez. Ah, oh, je rigole, un peu de la mauvaise foi. Je suis un peu énervé parce que bon, bah, c'est chaud, hein, et puis bon, bah, ça exaspère, hein, de devoir survivre. Survivre face à 50 000 attaques, c'est un peu dur. Mais bon, allez, on va essayer de se ressaisir en deuxième mi-temps. Tout est possible. Allez. Non! Oh, comme j'avais trop vu le but. Mais on perd Bénat. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça.
Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est pas du tout une bonne nouvelle, ça. Alors là, c'est vraiment très très con. À cause de... Merci! Merci, merci, Kondogbia. Bravo, Kondogbia. Là, franchement, tu descends de mon estime. Bon. Ah non, punaise, c'était qu'une bombe, mais non, faut... Enfin, une belle action de notre part et... Allez, c'est pas fini, hein. Il reste ça. Allez. D'accord, je t'ai demandé une frappe, pas une tête, hein. C'est pas grave, hein. C'est chacun son truc, hein. Yes, enfin la fin de ce match. Wow, et punaise, match très difficile, hein. Franchement, la galère, hein. Oh, la galère, hein. C'est la galère, la galère, la galère, hein. Bon, eh, franchement, équilibré, hein. La fin de match, c'est... Bah, bah, dis donc, c'est... Ça a pas été simple, hein, comme match, hein. Il te reste pas même du match. Vu la note, ça fait peur. Ouais. Bon, et ben allez, hein, on continue l'épisode. Et nous voilà, du coup, et ben on est officiellement qualifié, hein. Voilà. 3 mois, fracture de la cheville, bah tiens! Déjà qu'on n'avait pas assez de milieu de terrain. Bon, les gars, je suis désolé, mais là, je crois que je vais devoir faire rentrer un jeune, hein, parce que là. Je peux plus, je ne peux plus. Je peux même plus attendre. Il me faut un milieu axial. Ça a l'air d'être à peu près au poste. Les deux du dessus. Ouais. Wag Camacho, on va le prendre tout de suite. Proposer un contrat. AT. Oh non, il est AT. Lol. Toi. MG, d'accord. Lui, défenseur droit, hein. Vous pouvez s'en douter. MD, on sait pas. Alors lui, il faut attendre encore un peu. Bon, finalement, on va devoir attendre quand même. Parce qu'apparemment, il n'y a pas vraiment de milieu de terrain. Enfin, de milieu de terrain axial. Et oui, on s'est qualifié, hein, on s'est qualifié pour la suite de la compétition. On va aller voir ça tout de suite, c'est dans tableau. Voilà. Et notre huitième de finale, c'est... Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Pourquoi moi j'ai le droit au Bayern de Munich? C'est normal ça? Pourquoi j'ai pas le droit au CSKA Moscou, Schalke? Non, non, Beşiktaş. Non, non, non. Bayern. Normal. Oui, bien sûr. N'importe quoi. Alors du coup, putain, oh là là, le Real. Oh là là. Oh. Ah, ils ont tapé, hein. Ils ont tapé dans leur groupe. 14 points. City, tranquille. Les deux autres, ça a été dur. C'était pas la bonne touche. Ouais, pas mal. Et quand même, le Bayern, que deuxième. Hein. Ouais, celles-ci ont quasiment fait le parcours parfait. Un groupe serré, là. Là, sans surprise. Ça va. Ça va, un autre groupe. Ah, le Zénith nous a accompagnés. Monaco en Ligue Europa et Porto, au revoir. Bah, tiens, ça va prendre. Ça leur apprendra à nous avoir mis le bouillon, tiens. On s'en fout, on s'en fout. Oh, ouais! Oh, je kiffe! Oh, je kiffe! Oh, c'est cool! Oh, c'est cool de se qualifier pour la suite de la compétition. Ça offre des sous. Des sous! Oh, génial! C'est cool! C'est cool! C'est cool, Raoul. On est... Alors, attends. On est deuxième... non, on n'est pas deuxième. On est quatrième. Je vais aller revoir un peu mes objectifs. Oui, je sais, je perds un peu de temps. Et alors, et alors. On s'en fout, on est là pour s'amuser. Qualifié pour la Ligue des Champions. Ah, d'accord. Atteindre la phase d'élimination directe, c'est fait. C'est bon, c'est atteint. La Coupe d'Espagne, il faut atteindre les huitièmes. D'accord. Et après, on pourra se gratter. Et se qualifier pour la Coupe des Champions. Ok. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je finisse du coup. Il faut que je finisse du coup. Alors,
Dans les trois premiers, pour être qualifié directement, apparemment, et vu la couleur, quatrième pour des barrages. Trois ou quatrième. Ouais. On va essayer. Bah, de toute façon, ça se voit aux couleurs. Enfin, ça se voit aux couleurs comme ça. C'est les quatre premiers, c'est coloré différemment que 5 et 6. Donc, j'en déduis que 1, 2, 3, ça va en Ligue des Champions. 4, barrage. 5 et 6, la Ligue Europa. On me l'avait déjà expliqué, je crois, mais je sais plus. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire le dernier match. Ah oui, ça, c'est pour Bennett. Je vais le faire moi-même, hein, puisque 3 mois, de toute façon, il ne pourra plus jouer du tout. Donc, c'est la place de Guillermo. Voilà. Petit Guillermo. Sur le banco, c'est pas ta place, hein, désolé, mais bon. Il va falloir, voilà, Mouyen, comme ça au moins c'est fait. Voilà. Bon. On a déjà rempli un des objectifs du club, c'est se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Déjà, c'est bon. On peut être presque sûr de ne pas être viré en cas de catastrophe. Ça va. C'est bon. Ça va. On a un peu sauvé nos fesses. C'est bien. Alors, championnat, du coup. Attends, parce que là, il met Rico. Qu'est-ce que tu mets Rico, toi? Ah, tu mets Rico, là? Ah, ouais. Ah, ouais, tiens. J'y avais pas pensé. Ah, j'y avais pas pensé à celle-là. T'as raison. T'as raison, pote. T'as raison, poteau. T'as raison, poteau, wesh. Tape-moi en 5. C'est pas grave. Bon, tout le monde est prêt. Bah, c'est parti pour Real Sociedad, Athletic Bilbao. C'est parti! Oh, magnifique. Allez, Alcacer. Allez, Alcacer. Ah, ouais. Allez! Et rentre, 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 rentre! Putain, vas-y, wesh. Bien sûr. Mais putain, c'est qu'on a failli se mettre le but dans nos propres cages. Ah bon, non, mais continue comme ça, les gars. Première mi-temps pitoyable, on n'y arrive pas, c'est un peu impossible. Il y a du rythme, hein, on peut arriver à faire des actions, mais pour l'instant, mes joueurs n'ont pas envie de marquer. N'ont pas envie, et de l'autre côté, bah ça défend bien, hein. Il faut avouer quand même que ça défend bien de l'autre côté. On va essayer de faire une meilleure deuxième période. Allez, on y va. Sousaïta, la frappe et le but! Le joli but! Quelle frappe! Bien joué! Ah bah dis donc! Bravo! Quelle frappe! Oh là 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 là! Ping! Boum boum! Bien joué! Bien joué! Franchement, bravo! Là, ça a surpris tout le monde! Bien joué, Moran! T'as même le gardien, ça l'a surpris! Bing! Rendre barre en 30, hein! Allez, Tokero! Il est passé, Tokero! Il est passé, Tokero! La passe là! Oh non! Ah, dommage! Et c'est fini! Eh ben dis donc, quelle fin de match, quelle fin de match. Pouf, du suspense dans ce match, hein, il était quand même sympa, c'était une belle rencontre. Ouais, mais ça a été dur, encore une fois, on gagne 1-0. On aurait pu mettre plus de buts que ça, hein, mais bon. Et on vendange, on vendange, hein, mais bon. Principal, c'est de gagner. C'est sûr qu'avec plus de buts, ça aurait été mieux. Rouli, hein, homme du match, c'est normal, vu le match qu'il a fait, c'est compréhensible, c'est normal. Allez, on y va. Bon, bah ça c'est le bilan de l'épisode, ça s'est bien passé, même si ça a été très difficile quand même. Ça s'est quand même bien passé. Sincèrement, ça a été quand même compliqué. 3 semaines à casser. Bah allez, bah tiens, on aligne les blessures, hein. C'est n'importe quoi là par contre. Bah bon, allez, prochain épisode, le match retour de coupe face à Saragosse. L'Atlético Madrid, on va dire le derby des Athlétiques. Cordoba normalement. C'est ça, Cordoba. Voilà, donc ça sera ce seront les matchs du prochain épisode et on débutera
Peut-être le mercato, mais juste voilà les 3 premiers jours quoi. Voilà. Enfin bon, moi la seule recrue que je vais faire pour l'instant c'est remplacer Rico. Et je sais par qui déjà, hein, par Mario Suarez de l'Atlético Madrid. Mais bon, après on verra hein, s'il y a d'autres transferts à faire. Alors, le rapport d'équipe. Adrien il a rien bougé. De Marcos plus 2. Plus 1 pour Bartra. Plus 1 Xeita. Plus 1 Iraola. Plus 2 Guillermo. Rico qui perd un petit peu, mais lui de toute façon il sera vendu. Sosa est pour l'instant pas grand chose. Paco Alcácer plus 1. Plus 2 pour Gil. C'est bien. Plus 2 pour Kepa. Plus 1 pour Vieira. Plus 1 San José. Plus 1 Toquero. Plus 2 Bustinza. Plus 1 pour Benat. Plus 2 pour le premier joueur prêté. Et plus 2 pour lui aussi. Plus 1 pour lui. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça a plutôt un tout petit peu progressé. C'est pas énorme, énorme, mais c'est déjà pas mal. Allez! Bon, bah, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commentaire, pouce bleu, Twitter et Facebook. Surtout, déjà, si la vidéo vous a plu, hein, surtout le commentaire, pouce bleu et vous abonner. Et puis, Twitter et Facebook, c'est surtout pour me suivre, pour bah, les questions, tout ce que vous voulez, interagir avec moi. Il n'y a aucun problème. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Salut à tous.